Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai décidé de partir 10 jours en Espagne, tout par les chemins. Donc là, c'est mon tout premier trip à moto. J'ai décidé de partir en solo avec ma belle Ténéré. Donc j'ai posé mon camion à Perpignan. J'attaque direct les chemins jusqu'en Espagne. Et là, le but, ça va être de longer l'Espagne tout dans le nord. Après, j'ai aucune idée de la vitesse à laquelle je vais aller, du nombre de kilomètres que je vais faire. Donc moi, ce que je te propose, c'est de partir tout de suite. Let's go! Incroyable. Thank you.
Et c'est parti pour la troisième journée de ce trip. Bon, le spot de bivouac était fou, mais par contre, les nuits sont vraiment trop froides. J'ai sous-estimé les températures en prenant un sac de couchage de 15 degrés. Je suis obligé de dormir avec tous mes pulls, la veste, la cagoule et les couvertures de survie. Heureusement que le soleil est au rendez-vous la journée, sinon ça serait vraiment dur. Bon, le tracé de ce matin s'annonce vraiment incroyable parce que vu le paysage dès la première route, c'est fou. Allez, let's go! Oh putain! Là ça va être chaud. Oh là là! Pou pou
Petit débrief de ce qui s'est passé. En fait, j'ai la durite du frein arrière qui a bougé, qui est sortie de son logement et qui est venue se coller au pot d'échappement. Du coup, elle a brûlé. Donc, il y a l'huile qui a commencé à couler. J'ai essayé de trouver un réparateur impossible. J'ai fait toutes les concessions Yamaha, personne n'a la pièce en stock. Du coup, j'ai appelé la concession de Bayonne. Ils ont commandé la pièce, ils reçoivent ça mardi. Donc, j'ai 3 jours pour aller à Bayonne. Donc changement d'itinéraire, je vais passer par les Pyrénées. Donc là j'ai 3 jours sans frein arrière. Ça va être top ça. Allez, ça repart. Putain, elle est partie du cul dans le virage. Bon. Ah, quand même plus simple. Thank you.
Et là, c'est le drame. Bon, je te fais une petite voix off pour te raconter un peu ce qui s'est passé. Il devait être à peu près 19h, je cherchais un lieu de bivouac. J'ai pris un chemin qui d'un coup est devenu hyper argileux. La moto a fait des droite-gauche. Forcément, elle a terminé à droite dans le talus. Donc j'ai pas eu de blessure, rien, mais grosse frayeur parce que là j'ai vite compris que j'ai été incapable de bouger la moto, de la remonter. J'avais pas de poulie sur moi, donc là grosse frayeur. Je me suis calmé un petit peu, j'ai commencé à descendre le talus à pied et j'ai vu que 500 mètres plus bas, il y avait une sorte de chemin, un petit bout qui reprenait au niveau du chemin d'origine. Donc j'étais vachement soulagé, j'ai descendu la moto. Comme tu peux le voir, il y avait pas mal de ronds, c'était un peu le bordel, c'était compliqué, j'étais fatigué, mais on s'en sort toujours, il faut garder espoir. Après j'ai fait direct demi-tour et je me suis trouvé un endroit devant un cimetière, j'ai posé la tente et je me suis couché direct. Sur ce, je te souhaite une bonne nuit et on se revoit au prochain épisode. Et c'est parti pour l'épisode 3 de ce trip. Donc on commence par la petite morning routine qui est de ranger toutes les affaires en Tetris dans les sacoches. Ensuite, on se prend 5 petites minutes pour se faire un bon café histoire de se réveiller un peu. On va ensuite charger les sacs sur la moto et direction la station de lavage pour bichonner un peu cette ténérée. On va passer assez rapidement sur cette journée, car autant la première heure était cool, mais pour le coup, la suite était vraiment pas intéressante. J'étais sur la section du TET qui se trouve juste au-dessus du parc régional des Pyrénées. Alors sur le papier, c'est hyper cool, mais en vrai, les chemins sont tout plats et les paysages sont pas incroyables. Heureusement, j'ai quand même pu me trouver un petit lieu de bivouac assez sympa pour la nuit. Salut! La nuit a encore été très froide et le soleil n'est pas au rendez-vous, ce qui donne une ambiance assez spéciale. Je me réconforte en pensant à la bonne nuit d'hôtel de ce soir, car oui, ce soir j'ai décidé de m'offrir un peu de confort. Demain j'ai enfin mon rendez-vous pour changer ma durite de frein arrière, et ça c'est vraiment trop cool. Je vais mettre le plein d'essence, acheter de quoi manger et profiter des chemins et paysages qui commencent à redevenir bien plus intéressants par ici.
Bah, cette nuit, on s'est pris une petite nuit d'hôtel. Ça fait du bien d'avoir un matelas qui se dégonfle pas, une bonne grosse douche. Donc là, on est à Bayonne. J'ai rendez-vous à 14h à Yamaha là, pour qu'il me change ma durite de frein arrière. Donc ça va être cool, ça va faire du bien. Et puis bah, après, on va basculer en Espagne pour continuer un peu le trip. Hein. Bon bah voilà, le frein arrière il est réparé. Aujourd'hui j'ai fait pas mal de routes, je suis de retour en Espagne. C'est trop beau, putain les paysages ils sont incroyables. Donc vraiment cool. Et puis bah demain on repart sur le TET, pas mal de chemin je pense en vue, ça va être bien stylé. Et puis bah là on commence à retourner un peu en arrière, direction Perpignan, mais côté Espagne. À la cool. Et voilà. Et là, une bonne gamelle de pâte, ça fait du bien. Allez, ciao! Une nouvelle journée qui commence et autant me dire que je suis en pleine forme. J'ai enfin du frein arrière et les chemins sont hyper cool. On va pouvoir commencer à mettre un peu plus de rythme.
je ne sais pas encore, mais je m'apprête à faire une petite erreur qui va me prendre beaucoup d'énergie. Mais ça, tu verras la suite au prochain épisode. Ah la pute. Je savais. Ah bah nickel. Impeccable. Ok, elle est bien tankée. Yes. La semaine dernière, je t'avais laissé sur une chute assez ridicule et pourtant, elle m'a fait utiliser pas mal d'énergie. Je savais. Ah bah nickel. Impeccable. Je tire la roue avant là-bas, je la remets de travers. Ce sera peut-être plus simple. Ok, elle est bien tankée. Yes. J'avais pas plus envie que ça de tremper les bottes, mais au bout d'un moment, il n'y a plus le choix. Allez, il faut que j'arrive à la pousser derrière. Super, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ok. Allez. Ah putain! Ok. Putain, j'ai pas d'appui. Ah cette merde. Ok. Ah. Oh l'enfer. Oh putain. Oh la galère. C'est bon. Putain, je savais qu'il fallait pas passer au milieu en plus. C'était sûr. Ah, les idées à la con, là. Putain, et c'est maintenant qu'il arrive, lui. Il pouvait pas arriver avant. Let's go! Maintenant que la Ténéré est debout, on peut enfin repartir. Ça m'aura quand même pris 40 minutes, cette histoire. Allez, on oublie tout ça et on se concentre sur la suite parce que ça va être la folie. Hop là.
Bon, aujourd'hui c'était une bonne galère quand même, je me suis mis grave dans la merde avec des trucs à la con. Mais au final je m'en suis sorti, j'ai utilisé pas mal d'énergie. Mais voilà, on est là. C'était chaud. Une nuit de plus. Là on en est au 9e jour. Voilà, donc ça commence un peu à tirer. Là les nuits sont pas ouf. Le matelas il se dégonfle à chaque fois. C'est pas incroyable. Il fait froid, là cette nuit il y avait pas mal de vent. Hier c'était de pure journée. J'ai peut-être un peu trop roulé, c'est pour ça que je me suis mis dans le rouge plusieurs fois. Mais incroyable, j'ai fait des petits singles, il y a juste eu ces galères là pour relever la moto dans la boue. Et à 18h, pareil, j'ai fait la même merde, tombé dans une flaque. J'en ai chié pour la relever, j'avais plus de force. Voilà, bien la merde. Mais c'est du passé, là on va mettre le plein et puis on est reparti. Hein. Et bah elle est toute propre cette Ténéré. J'ai l'impression qu'elle sort d'usine. Quel paysage, il est vraiment incroyable, hein, vraiment, c'est fou. Ok, le plein a été mis et aujourd'hui on est sur la dernière journée de tout terrain de mon trip. Et clairement, ce fut aussi l'une des meilleures. Si on ne prend pas en compte la grosse galère qui arrivera vers 19h, mais ça on verra par la suite. Pour le moment, on va mettre du gaz et profiter à fond.
dernier jour du trip. Hier à 19h, qu'est-ce qui se passe? Petite crevaison de la roue avant, impeccable. J'ai essayé de mettre une bombe anti-crevaison, ça a foiré, ça a collé à la valve et du coup la chambre est morte. Donc il faut que je change ça, super. Je me trouve un lieu de bivouac à 21h. Ce matin je me réveille et qu'est-ce que je vois? Hop là, cadeau. J'ai la roue arrière aussi qui est niquée. Impeccable le retour là. Allez hein. Et ben voilà. C'est la fin de ce petit road trip. 10e jour. Et ben voilà, les deux pneus ont été réparés. Ils ont changé la chambre à air. Pour le coup, c'était vraiment pas de chance de crever des deux pneus. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, petit moment de route. J'ai encore 2h30 pour aller jusqu'à Perpignan. Et puis bah après, de Perpignan jusqu'à la maison, j'ai 5h45. Donc une grosse journée là encore. Je suis bien content de rentrer à la maison, je suis cuit. Mais c'était dingue. C'était mon premier séjour en bécane, dans les chemins. C'était la folie, les paysages étaient incroyables. Vraiment, je regrette rien du tout. Je suis vraiment hyper content en tout cas. Allez, ciao !